UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Débordé. Texte et illustration. Mariajo Ilustrajo. Traduit par Emma Gauthier et Suzy Morgenstern. Édition Glénat Jeunesse. La ville se réveilla comme n'importe quel autre jour d'été. Oh. Un petit tamarin empereur, un singe avec d'immenses moustaches blanches et une longue queue jaune regardent par la fenêtre de son appartement. Hein? Dans l'immeuble d'en face, une petite souris fait pareil. Le tamarin fouille dans son armoire, trouve des bottes de pluie et les enfile. Mais quelque chose était différent. Ce n'était pas un problème. La ville était juste un peu mouillée. De l'eau bleu turquoise a entièrement envahi les rues. Les habitants, des animaux de toutes les espèces, vont et viennent dans l'eau jusqu'aux mollets. Les voitures circulent avec les roues mouillées. Personne ne semblait dérangé par un petit peu d'eau. C'était un bon prétexte pour enfiler de grosses bottes de pluie. À un passage piéton, le tamarin tente d'interpeller les habitants. Il s'approche d'un singe absorbé par son téléphone portable. « Excusez-moi. » Mais le singe poursuit sa route sans le regarder. Il s'adresse alors à un rhinocéros. « Monsieur ?» L'animal continue son chemin sans lui prêter attention. Il essaye avec d'autres. « Bonjour. Madame, s'il vous... pouvez-vous ?» Mais personne ne lui répondait. Ni le lion avec sa cravate, sa mallette et son gobelet de café, ni l'ours polaire avec son casque sur les oreilles, ni le morse à lunettes, ni le flamand rose. La ville continuait de vivre à son rythme habituel, à monter, à descendre. Après tout, c'était juste un peu d'eau. Dans des escalators qui montent et qui descendent, le petit tamarin observe les habitants qui vont et viennent. L'autruche qui regarde droit devant, le raton laveur plongé dans un magazine de mode, le crocodile et l'hippopotame concentrés sur leur route. En bas des marches, une chèvre avance dans l'eau qui lui arrive jusqu'au ventre. C'était un sujet de conversation au travail. Dans le métro, l'eau arrive jusqu'au siège. Le petit tamarin continue d'observer les gens. Trajet un peu humide aujourd'hui. Des souris s'agrippent à une barre, un zèbre lit son journal qui trempe dans l'eau comme si de rien n'était. Dans un bureau derrière leur ordinateur, deux animaux font la conversation. J'ai entendu dire qu'un hippopotame a laissé goûter son robinet. N'importe quoi. Ce sont plutôt les hommes politiques les responsables. Et l'école n'avait jamais été aussi amusante. Dans une classe, l'eau monte jusqu'au pied des chaises. Des souris se prélassent sur des bouées qui flottent. Un lapin a enfilé des palmes. Avec sa trompe, un éléphanteau projette de l'eau sur ses camarades. Le koala, la girafe et le panda rigolent. Près du tableau, le professeur regarde ses élèves sans savoir quoi faire. Tout à coup, la journée était remplie de surprises. Le petit tamarin jette un coup d'œil dans un restaurant. Les clients attablés regardent des souris qui traversent la salle en ramant dans une barque. Le chef souris parle dans un mégaphone. Ramez en rythme ! La girafe s'exclame. Comme c'est drôle ! Le lion réplique. Ça change un peu ! Des gazelles qui mangent avec des baguettes s'étonnent. Que c'est bizarre ! C'est vrai ? Les pieds dans l'eau, un singe en tablier fait le service en portant un plateau. Hop, 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 hop. L'eau continuait de monter. Pourtant, la plupart des gens ne semblaient pas s'en soucier. Ça allait bientôt s'arranger. Dans un musée, l'eau arrive quasiment jusqu'au tableau exposé sur les murs. La Joconde, un Van Gogh, un Klimt. Équipé d'une bouteille d'oxygène sur le dos, le petit tamarin décroche la souris à la perle peint par Vermeer. À l'aide, il faut sauver ce chef-d'œuvre! Mais personne ne fait attention à lui. Deux kangourous papotent. Je t'avais prévenu. L'art mouillé, c'est la nouvelle mode. Intéressant.
Des souris traversent la salle sur une bouée en écoutant des audioguides au casque. Un crocodile avance dans un couloir en râlant. Je déteste l'eau froide. Complètement sous l'eau, un lézard avec une sorte de scaphandre sur la tête s'exclame en sortant du musée. Nom d'une pipe, c'est inacceptable! Dans les rues, l'eau continue de monter. Pour certains, ce n'était pas un problème. Deux girafes discutent sur un trottoir, leur tête hors de l'eau. De quoi se plaignent-ils? C'est juste un peu d'eau. Tu as raison, je trouve que c'est même rafraîchissant. Près d'elle, le petit tamarin, complètement sous l'eau, se perche sur une poubelle, se met sur la pointe des pieds et lève les bras pour sauver de l'inondation le tableau peint par Vermeer. Là-haut, pouvez-vous m'aider à tirer le... Les girafes continuent de papoter sans lui prêter attention. Mais pour les animaux plus petits, ça devenait de plus en plus difficile de garder la tête hors de l'eau. Une famille de lapins est obligée de se réfugier sur le toit d'une maison. D'autres se perchent sur la tête d'un ours. Le petit peu d'eau, au départ, était devenu un énorme problème. Et il n'était pas prêt de disparaître. D'où l'eau pouvait-elle bien venir? Et que pouvait-il y faire? Plus loin, dans la rue, un renard grimpe sur un réverbère et vend des lunettes de natation, des masques de plongée et des casques à oxygène. Le lion, le raton laveur, le kangourou et l'ours s'empressent d'acheter les articles. Au milieu de la foule, le petit tamarin tente à nouveau de les interpeller, le tableau toujours à la main. Je sais quoi faire. L'eau submerge tous les habitants munis de bouteilles d'oxygène. Même les girafes portent un masque de plongée. Le petit tamarin, le tableau sous le bras, observe les animaux qui décident de manifester. Ils brandissent des pancartes. Nous sommes fatigués. Vivre sous l'eau est trop compliqué. Stop! Sauvons la ville. Plus d'excuses. Au secours. Nous n'aime pas vivre comme ça. Vidons la ville. Nous voulons une solution. Je déteste l'eau. Il faut agir. Tout le monde voulait que le problème soit réglé. Mais personne ne savait comment faire. À part ce petit animal qui était au courant depuis le début. Si seulement les autres l'avaient écouté, le problème ne serait jamais devenu si grave. La solution était simple. Ils regardent tous enfin le petit tamarin qui lâche le tableau et leur explique en faisant des gestes. Mais ce n'était pas une mission qu'on pouvait accomplir seul. Tout le monde devait travailler ensemble. Les animaux se mettent en file indienne, du plus petit au plus gros. Le tamarin en tête, ils tirent tous ensemble sur une très longue corde. À la une, à la deux, à la trois. Et une fois qu'ils l'eurent fait, le problème fut évacué. Un gigantesque bouchon de baignoire qui bloquait l'évacuation de l'eau cède enfin. Les animaux sont emportés par un tourbillon, mais l'eau se vide et disparaît progressivement. Les animaux chamboulés reprennent leur esprit. L'ours retire son casque d'oxygène et récupère son casque audio. Un raton laveur et une marmotte aident les poissons à retourner dans leur bocal. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Les souris descendent de leur bouée ou des bateaux pneumatiques. Et le petit tamarin tient fermement entre ses mains le bouchon d'évacuation. Rien n'était tout à fait comme avant. De nouveaux problèmes avaient fait surface. Ils se mettent tous à ranger et à nettoyer la ville sans dessus-dessous. Ils ramassent les déchets avec un balai, redressent les chaises éparpillées dans la rue. Une girafe aide un raton laveur coincé tout en haut d'un réverbère. Un autre raton laveur est bloqué sur un lampadaire. Pour atteindre le sommet, le petit tamarin grimpe sur les épaules de l'autruche, qui grimpe sur l'ours, qui grimpe sur le rhinocéros. Le petit tamarin tend les bras vers le raton laveur sauvé. Mais maintenant, il savait que la seule façon de régler un problème était de l'affronter ensemble. Hey,
une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Aska Frogeret. Avec la voix de François Créton, Marie Desgranges, Marie-Félix, Ludovic Parfait-Gomain. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels, et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025.